Le CIRA pour les métiers de bouche, c'est une vitrine exceptionnelle qui peut apporter justement à travers les concours la mise en valeur du travail des jeunes qui essayent de se promouvoir dans les métiers de la gastronomie. D'une part, c'est de montrer à travers les échanges professionnels ou la découverte de nouveaux produits ou de nouveaux process toute l'innovation qu'il y a dans ces métiers dits traditionnels mais véritablement tournés vers le futur et qui prennent pleinement en compte justement cet aspect d'échange, et c'est la plus-value que les visiteurs emmènent avec eux lorsqu'ils repartent. Ils en ont pris plein les yeux, ils ont pris plein d'idées et ils repartent avec tout ça chez eux. Il y a énormément d'animations, vous avez Boucherie Étale, vous avez les Cahiers d'Or, vous avez le concours national des fromages, des concours européens au niveau du sucre, du chocolat et de la glacerie. Donc vous voyez, il y a plein d'événements qui sont là pour enrichir justement le savoir-faire des professionnels et montrer à travers les compétitions que les métiers peuvent gagner en excellence. Il y a bien évidemment le concours phare du Bocuse d'Or, mais il y a aussi tout l'ensemble de la gastronomie qui est là, présente. Les charcutiers, les fromagers, les bouchers, les pâtissiers, les boulangers et tous ceux que vous retrouvez dans vos quartiers de proximité. Le magasin du futur, déjà dans un premier temps, c'est une collaboration étroite entre l'association des métiers de bouche, et pilotée donc par Bruno Cabu, et également l'espace numérique entreprise, qui est une organisation, un organisme public. Alors dans le magasin du futur, vous allez trouver différentes applications. Des applications du style écran tactile, c'est-à-dire vitrine tactile, mais également vous pouvez avoir des bornes tactiles, des tables de présentation aussi pour gérer vos commandes et présenter les produits. Vous allez aussi trouver des modes de paiement par smartphone, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on a la dématérialisation du système de paiement, mais également la dématérialisation des cartes de fidélité. Le magasin du futur s'adresse à tous les artisans et commerçants, les métiers de bouche, tout ce qui est métier de boulangerie, pâtisserie, mais également d'autres métiers. On peut avoir des applications ponctuelles pour d'autres secteurs d'activité.